Aujourd'hui, Diabolo va contrôler tous les personnages de Poppy Playtime chapitre 3. Il va contrôler Catnap, mais aussi Nightmare Catnap, Miss Daylight et quelques personnages de Poppy Playtime chapitre 2 tels que Bunzo Bunny. Grâce à ce fruit, je peux me transformer en tous les monstres de Poppy Playtime. Et ça tombe bien puisque nous sommes dans Poppy Playtime. Regardez Poppy, hop, c'est bon, je suis transformé en Poppy et je peux vous attaquer. Bon, non, en vrai, Poppy, elle est pas assez puissante. Je ne peux pas vous attaquer. Oh, regarde la poisson. Je viens de buter. Bon, le plus intéressant, ça va être de se transformer en Huggy Wuggy, Catnap, Miss Daylight, etc. Waouh, oh, c'est une grenade. Oh, waouh. Eh, mais Pingu, t'es fou, quoi. T'es fou. Bon, alors, il faut qu'on trouve la cassette. Ok, la cassette, elle est juste ici. Regardez, prenez-la, elle est juste là. Il faut la mettre dans le lecteur qui est juste ici. Regardez, voilà, il y a le lecteur qui est là. Prenez la cassette, mettez-la là. Et ce sera bon. Regardez, la cassette, elle est juste ici. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un veut se dévouer là pour mettre la cassette. Ok, c'est bon. Let's go. Donc du coup, comme vous l'avez compris, les abonnés, j'ai le pouvoir de me transformer en absolument tous les monstres de Poppy Playtime. Ça peut être Huggy Wuggy, ça peut être Mommy Long Leg, ça peut être Bunzo Bunny, ça peut être tous les monstres. Et moi, j'ai très hâte de me transformer en Catnap, de pouvoir contrôler Catnap, et je vous promets qu'on va pouvoir le contrôler. Là, juste pour l'instant, je suis juste Poppy. Attends, ça marche pas la cassette? Ça marche pas? Non, ça je pense. Je pense qu'il faut exploser. Bon, bah attendez, on va aller dans la security. La security, il y a notre cassette là-bas. Allez, let's go. On va à la security. Regardez, la security, elle est juste là-bas. On va pouvoir mettre la cassette. Et alors, oh waouh, ok, même besoin d'appuyer là. Ok. Alors, où est-ce qu'elle est la cassette? Elle est juste ici. Voilà, Biomix. Viens, le goat, tu mets à l'intérieur du lecteur. Oh, wesh, elle flottait en l'air la cassette. C'est quoi ce délire? Alors, est-ce que peut-être que ici, à la security, on va pouvoir observer où est-ce qu'ils sont les autres monstres de Poppy Playtime? Notamment Catnap. J'ai envie de le trouver pour pouvoir me transformer en lui. Parce que là, en fait, nous, on n'est pas des anciens employés. Hein. On n'est clairement pas des anciens employés de l'usine. On est clairement là pour faire de l'urbex. Voilà, pour visiter. Ah, le lecteur, il a pas fonctionné. Qui c'est qui l'a cassé? C'est toi la Poscaille? C'est la Poscaille. Non, c'est pas lui. Ok. Bon, on va aller au store là-bas. On va aller au magasin. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a au magasin. Et après, ici, regardez, il y a la porte pour pouvoir continuer. Et derrière cette porte, je suis sûr qu'il y a Huggy Wuggy. Et je vais pouvoir me transformer en Huggy Wuggy. Oh, ça va être masterclass. Si je transforme en Huggy Wuggy, vraiment, ça va être masterclass. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce magasin de jouets? Je vais enlever ma transformation. C'est bon, je suis détransformé. Comme je vous l'avais dit, j'ai le pouvoir de me transformer, de me détransformer. Voilà. Là, c'est bon, je suis détransformé. Je suis de nouveau un humain normal. Enfin, normal, c'est un grand mot, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce magasin de jouets? On a du coup Sir Poopsolot. Ok. On a des Mommy Long Legs. Ok. Intéressant. On a Pidgey Peck the Pillar. Ok. Tous les jouets de Poppy Playtime. 4B. Ok. Oh, waouh. Oh, on peut faire un peu le player, regardez comme ça. Voilà, regardez, je peux aller appuyer avec ma main. Let's go. Voilà, pas mal en vrai. Pas mal. Peut-être que ça va nous servir d'ailleurs pour aller ouvrir la porte. Mais oui, en fait, je suis bête. Ça va clairement nous servir pour aller ouvrir la porte. Allez, hop, c'est bon, je prends une main. Let's go. Voilà, la main rouge. Oula, attendez, qu'est-ce que je viens de faire? Je vais en prendre une deuxième. Voilà, c'est un peu compliqué à maîtriser, mais c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai le move. Ok, let's go. On va pouvoir aller ouvrir la porte. Et non. Normalement, derrière cette porte doit se trouver Huggy Wuggy. Et je vais pouvoir me transformer en Huggy Wuggy grâce à mon fruit secret que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, qui me permet tout simplement de me transformer en tous les monstres de Poppy Playtime. Ok, alors est-ce que ici je peux aller ouvrir avec ma main? Ok. Oh, what? Ça marche pas? Peut-être qu'il faut la bleue. Essaye avec la bleue, Biomix. Essaye. Tu jettes la main pour voir si ça s'ouvre. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne pas trop. Ouais, non, ça fonctionne pas trop. Hein. Il va falloir qu'on fasse une rampe, je pense, pour pouvoir aller appuyer sur ce bouton. Je peux crocheter la porte, Diabolo. Tu veux crocheter la porte? Mais attends, mais waouh! Avec une. Non, tu crochettes pas cette porte. On va la laisser tranquille, cette porte. J'ai pas envie d'être accusé de d'effraction. Allez, non, il va falloir faire une petite rampe pour pouvoir aller appuyer sur le bouton. Let's go! Une petite rampe. Allez, qui peut faire cette petite rampe? Biomix, peut-être? Biomix, ok. Attendez, on s'écarte tous. Biomix va faire la rampe. Oh, la Poiscaille! Range ton gun là. Tu me fais peur. Oh! C'est au cas où. Je suis en panique. T'es en panique? Mais tu sais que là, il y a sans doute Huggy Wuggy derrière. Hein. Je vais mettre une grosse balle de fusil à pompe pour avoir. J'avoue que le player, il a pas trop de fusil à pompe. Et toi, Pingu, t'as peur ou pas de Huggy Wuggy? Ouais, pas mal. Ok, t'as pas l'air d'avoir très peur. Hein. Allez, let's go. Ok. Si, j'ai vu dans le chapitre 1 là, moi. Surtout dans le conduit là. Oh, bah oui, dans le conduit, il est effrayant. Ok, j'ai ouvert la. Non!
Ok, attendez, voilà que j'ouvre. On peut ouvrir. Il y a un bouton de l'autre côté. Bon, ah, vous avez un bouton, ok. Waouh. Waouh, il y a Yugi Yugi. Oh la dinguerie, je vais pouvoir le contrôler. Attendez, est-ce que si on appuie sur le bouton, ça fait quoi? What? Ok, d'accord. Intéressant. Intéressant, mon cher Watson. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup l'électricité à activer pour ouvrir la porte à gauche là. Ok, 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 les mecs. Plutôt intéressant. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est. Oh ah non, 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 non. J'ai vu Yugi Yugi. Non, il m'a chopé. Il est en train de buter tout le monde. Ok. Heureusement, il y a la rampe. Je vais aller le contrôler parce que là, je crois qu'il est en train de buter tout le monde. Attendez, attendez. Il faut que je prenne mon fruit spécial. Il nous a attaqué, il nous a attaqué. Je prends le fruit spécial. Let's go. Et je vais le contrôler. Je vais le contrôler. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui suis Yugi Yugi. Let's go. Ok. Ouais, voilà, tu me sauves la vie. C'est moi Yugi Yugi maintenant. Voilà. Oh, stylé. Regardez, regardez-moi. Oh, je suis trop stylé. Oh, let's go. Ok, les mecs. Bon, bah voilà, c'est moi Yugi Yugi. D'ailleurs, je peux. Je peux courir? Oh la dinguerie! Regardez, je peux courir à toute vitesse et je peux, et je peux, et je peux, et je peux. Je peux, la poiscaille, vas-y, rapproche-toi un petit peu là, le croco là. Je peux buter les gens, littéralement. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui. Voilà, quoi, merde! Heureusement, on respawn au début. Mais en vrai, c'est un peu galère quand même. Ok, oh, incroyable, vous avez vu, je suis Huggy Buggy. Bon, Huggy Buggy, c'est pas du tout le meilleur hein. Lorsque je vais être catnap, ça va véritablement être une dinguerie. Bon, les mecs, je me détransforme et on continue là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes barricadés? Mais non, ils se sont barricadés. Oh, attends, 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 attends. Ok, c'est bon, il a arrêté de bouger. Ok, 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 ok. Oh, il a tué la poiscaille. Hé, enlevez votre barricade. Enlevez votre barricade là. Oh, je dégage tout moi. Hop, c'est bon. Fais pas confiance. Ouvre la porte. Voilà, j'ouvre, j'ouvre, c'est bon, vous voici. Eh, hey, venez, regardez, il faut refaire une petite rampe pour aller ouvrir ce bouton-là, là. Oh, ok, 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 intéressant. Eh, hey, le Yugi Yugi était effrayant hein, quand il nous attaquait, là. Au début, j'ai pas capté, il était plutôt effrayant. Oh, pas bête, ça. Oh, ouais, c'est pas mal. Je vais faire le saut. Oh, je me suis fait, il est à toi, Biomix, est-ce que tu vas réussir mieux que moi? Oh, grotesque, franchement, grotesque. Gotesque, gotesque. Oh, ok, ici on a Kissimissi. Oh, ça peut être stylé si je peux contrôler Kissimissi. Ce serait vraiment une dinguerie. Let's go. Alors, ici on peut pas passer par là. On est obligé de passer à droite. Ok, bah écoutez, on va passer à droite. Bon, les mecs, j'ai repris mon possesseur parce que là on s'aventure dans un endroit un peu brosson quoi. Oh, il y a Benzo Bunny. Oh, waouh, il est effrayant. Oh, attention, Benzo Bunny. Benzo Bunny. Oh, 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 oh là 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 là. Attends, il faut que j'arrive. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est moi qui le contrôle. Ok. Ok, on a de la chance. T'as tué le petit croco. Oh, c'est bon, c'est moi qui le contrôle. Oh, j'ai pris mon fruit au dernier moment, mais il a tué le petit croco. Waouh. Ok, donc attends, j'ai le pouvoir d'attaquer. Fais voir la poiscaille, vite fait. Regarde-moi, viens me voir. Oh. Oui, ouais. Eh, il faut arrêter, hein, Diabolo, c'est pas cool. Hein. Oh, la dinguerie. Je peux vous sauter dessus. Attends, viens, 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 viens par là, toi. Viens par là, viens par là, viens par là. Je peux contrôler Benzo Bunny. Oh, mais ça va être vraiment une véritable dinguerie hein, quand je vais pouvoir contrôler tout simplement eh bien Catnap ou encore Mommy Long Legs ou je sais pas qui. Bon, je vais me détransformer et on va avancer parce que là j'ai vraiment hâte de me transformer tout simplement en Catnap et tout. Oh, ça va être une énorme dinguerie. Ok, 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 stop, c'est bon. Ok, il a arrêté de bouger, cache. Ok, alors du coup, qu'est-ce que nous avons ici? Ok. Je peux appuyer sur le bouton, d'accord. Ouais, mais... Bon, Diabolo, Diabolo, regarde qui a. Oh, Jacob, mais qu'est-ce que tu fais là, Jacob? Allez, je me suis perdu ici, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, ça fait peur. On est dans Poppy Playtime et en fait on essaye de trouver tous les monstres de Poppy Playtime. Bah si, pour que je puisse me transformer en les monstres. Du coup voilà, let's go. Ok, attendez, ici on peut ouvrir. Oh, pourquoi c'est fermé là encore? Non mais c'est pas possible. Il va falloir c'est dégager ça encore. Oh, voilà, c'est bon, on réouvre. Voilà. Ah oh, mais c'est pas possible. Ah ok, c'est bon, voilà, let's go. Nous y est, nous sommes dans le premier couloir. Let's go. Attendez, il y a quoi ici? Ce sont les conduits. Toujours tout droit, toujours tout droit. Ah non les mecs, ce sont les conduits. C'est là où il y a Huggy Huggy. Oh là là, effrayant! Vraiment effrayant! Ok, oh waouh, on arrive où là? Oh, je sais pas où est-ce qu'on arrive. Oh la dinguerie! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh what? Wow! Y'a un mini Yugi Yugi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là 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 là, y'a un mini Yugi Yugi là-bas! Mais attendez, mais c'est énorme! Où est-ce qu'on est, sérieux? Mais attendez, mais c'est colossal!
Oh waouh, la dinguerie. Ok, alors attendez, il y a plein d'endroits où on peut aller. Genre ici c'est quoi? On va ouvrir. Oh waouh, c'est pas là où il y a Kissimissi normalement? Attendez, on va refermer et je suis sûr qu'on peut faire apparaître Kissimissi ici. Attendez, attendez, attendez. Non, qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Ressort. Ok, on va refermer et je veux voir Kissimissi à l'intérieur. Ok, parce que là il y a le mini Huggy Wuggy. Il me fait un peu peur là, le mini Huggy Wuggy. À tout moment il va nous sauter dessus. Il faut l'activer. Je vais aller le voir, le mini Huggy Wuggy. On va voir ce qui, de quoi il est capable. Oh, il bouge. Attendez, je le vois bouger. Oh, il y a le mini Huggy Wuggy. Attention. Butez-le. La Poiscaille, non. Attention. Oula. Non, il va focus. Arrêtez. Il y a le mini Huggy Wuggy qui nous poursuit. Oh la dinguerie. Ok. Ah mais il suffit que je le contrôle. Attendez deux secondes. Ok, attendez. Oh non. Il a buté Bimex. Ok, c'est bon. C'est moi qui le contrôle. Let's go. Je contrôle le mini Huggy Wuggy. Oh dinguerie. T'es sûr. Hey, je commence à en avoir marre moi de toujours mourir en premier là. Mais non, t'inquiète pas. Allez. Tu fais quoi là? Il est vraiment stylé. Ce mini Huggy Wuggy. Hein. Du coup, normalement, derrière cette porte, il y a Kissimissi. Ça veut dire que je vais pouvoir me transformer en Kissimissi. Grosse dinguerie. Et après, il va falloir qu'on sorte d'ici. Il va falloir vraiment qu'on sorte d'ici pour se rendre dans Poppetal chapitre 2. Que je puisse me transformer en Mommy Long Legs. Et bah, du coup, Benzo Bunny, c'est déjà fait. Je sais pas ce qu'il faisait dans Poppetal chapitre 1, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, ici, on va ouvrir. Ok, du coup, je vais ouvrir la porte. Let's go. Oh, les mecs, il y a Kissimissi. Oh, c'est bon, je transforme en Kissimissi. Oh, la dinguerie. Oh, waouh, c'est enfermé. Faut la tuer, elle aussi. Non, c'est moi. Attends, retourne là-bas, Diabolo. C'est moi. De quoi là? Retourne là-bas. Attends, vas-y. Oh, mince. Ok. Oh, ok. Non, mais retourne, parce que j'ai cru voir tes frères. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il m'enferme. Non, laissez-moi. Ah, c'est bon, regardez. Non. La grille se referme. Laissez-moi sortir. Ils m'ont fermé, je suis en prison. Ça t'apprendra à nous tuer. Hein. Je suis littéralement en prison. Laissez-moi sortir. Au secours. Help me. S'il vous plaît. Ok, c'est bon. J'arrête de tuer tout le monde. C'est promis. Ouais, j'en ai marre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attendez, je vais me détransformer. Ok, c'est bon, je suis détransformé. Qu'est-ce qu'il y a ici? Diabolo, il y a une porte. Il y a une porte. Oh, vous pensez que c'est à l'intérieur qu'il y a le Huggy Wuggy qui... Oh oui, mais c'est clairement là. Ici. Ok. Ça, c'est le Huggy Wuggy qui nous poursuit, vous savez, le long des parois. Oh, Pingu, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'étais déjà là? Il s'est réfugié ici. J'en ai marre, moi, je me suis caché. Ok. Tu voulais pas que je te bute? Ok, d'accord. Alors ici, il y a rien, d'accord, là non plus. Il faut absolument qu'on trouve où est-ce qu'il faut qu'on aille pour se rendre dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 2, je pourrais me transformer en Mommy Long Legs. Attends, mais là, c'est quoi le chemin là? On est perdu, c'est un labyrinthe ou quoi? On se retrouve dans un labyrinthe en mode Poppy Playtime, c'est un peu effrayant. Alors, vous voyez quelque chose? Je vois rien. Ok, là y a rien non plus. À gauche, à droite. Mais attends, mais c'est infini. Par où est-ce qu'il faut qu'on aille? Je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Là, ici, Diabolo. C'est effrayant. Attends, au bout, t'as trouvé la solution? Au bout. Ok. Ok. Oh, intéressant. D'accord, là on y est, tu penses? Nous y est bientôt? Nous y est bientôt. Ok. Let's go. Ok. On s'aventure de plus en plus. On descend ici. Mais t'es sûr? Oh, elle avait une porte à ouvrir, d'accord. Je suis pas sûr, hein. Ça va être par là. C'est par là? Oh, c'est un toboggan? Oh, ok, waouh! Mais oui, on arrive au chapitre 2. Oh, la dinguerie. Ok, attendez, faut que je fasse le saut. Let's go! C'est bon. Du coup, ensuite, faut descendre en bas, je suppose. Ok, et là, on va arriver. Oh, on va arriver au chapitre 2. Je vais pouvoir me transformer en Mommy Long Legs. Let's go, incroyable. Ok, regardez, c'est bon. Nous sommes au chapitre 2. Il suffit de rentrer par la porte là-bas, regardez. Normalement, la porte là-bas où il y a le petit endroit où il y a Poppy qui s'est échappé. Ouvre. Oh, let's go, nous y est. Let's go. Bon, maintenant qu'on est ici, on va faire demi-tour puisque nous sommes dans le chapitre 2. Let's go. Ok, donc là, bon, du coup, l'endroit d'où on vient, ça a été bouché par des caisses. Let's go. Ok, bon, bah on peut plus passer. Voilà, c'est condamné. Mais cette fois-ci, il y a une petite porte juste à droite qu'on va pouvoir ouvrir. Let's go. C'est bon. Ah, mais qui est-ce qui veut pas l'ouvrir là? C'est toi, Bimix? Allez, laissez-la ouverte. Oh, oh. Mais bah, c'est pas moi là, c'est bon. Pingu, mais qu'est-ce qu'il fait, Pingu? Ça va, Pingu? Oula, Pingu, il a freeze. Il fait l'AVC. Pingu, sauvez-le, il est en train de faire un AVC. Pingu, ramenez-le. Il faut qu'on le sauve. Sauvez-le, il y a Pingu, il fait un AVC. Bon, bref. Bien. On va aller. Ça va mieux, Pingu?
Tout va bien. Oh, j'ai eu peur pour ta santé. Bon, du coup, let's go. Là, on va nous voir. Il commence à être vieux. Ah, il commence à être vieux, c'est vrai. Bon, là, normalement, on va aller tout simplement trouver Mommy Long Legs. Let's go. Mommy Long Legs. Ok, alors cette porte-là, on peut pas l'ouvrir, hein. Je vous le dis directement. À droite. Voilà, voilà, il y a des connaisseurs. Et là, il va falloir faire la petite rampe parce qu'on peut plus monter. Parce que normalement, on s'accroche ici. Ah, mais on peut faire le saut. Voilà. Ah, on peut faire le saut. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Voilà. Oh, Gotes. Oh, let's go. Oh non, là non, là. J'ai loupé mon saut de rien. Attrape ma main. Oh, let's go. Oh, bien wesh. Merci de m'avoir ramené. Et là, du coup, faut activer. Voilà, c'est bon, c'est activé. Voilà. Et là, normalement, on va pouvoir aller à l'endroit où il y avait simplement la porte en métal. Et normalement, celle-là ouverte. Enfin, le rideau métallique. Du coup, let's go. Ah, ah. Y'a un problème? Non, mais il faut ouvrir dans le bureau. Dans le bureau? Oh, ok! Ah oui, d'accord! Ah oui, oui! Ah oui, mince, d'accord! Ah, c'est bon! Ok, c'est ouvert! Ah oui, j'avais zappé! Ok, du coup, là, on est dans le bureau! Oh, mais heureusement qu'il y a Biomix avec nous! Hein. Oh oui, masterclass! Ok, c'est bon! Du coup, on descend dans les conduits! On descend dans les conduits, et là, il peut y avoir Huggy Wuggy à tout moment! Faites attention! Huggy Wuggy peut être là à tout moment! Bon, c'est pas grave, je me chargerai de le contrôler! Oh! Wesh! On est où? Oh la dinguerie! C'est le générateur, je crois. Ok! Ah oui, là-bas, regardez le générateur, faut l'activer. Ok, d'accord. Ah oui, là, on active les générateurs, genre. Comment on fait? Il va falloir qu'on arrive. Et comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on arrive à activer les générateurs. Ok, bon, je suppose que ça a marché. J'espère que ça a marché. Tu penses que ça a marché, Biomix? Non, je pense pas, faut mettre des câbles. Ah, oula! Je crois que c'est un petit peu compliqué pour nous, ça, de mettre des câbles, hein. Je pense qu'on va... comment... Mais la porte, elle va jamais s'ouvrir, ici? Attends, mais comment... Tu vas vraiment mettre des câbles? Attends, mais... Ah oui, il veut pas de moi, en fait. Oula. Laissez-le mettre un câble. Allez, on va voir s'il y arrive. Ok. Genre là, ça va marcher comme ça? Je suppose. Ok. Je vais essayer dans le vide. Ok. Il est en train de mettre des câbles. Et normalement, c'est dans ce chapitre que je vais trouver Mommy Long Legs, mais aussi Catnap. Voilà, c'est dans ce chapitre que je vais trouver Catnap. Alors, c'est normalement, il est pas dans le chapitre 2, mais là, je sais où est-ce qu'il est. Voilà, j'ai une bonne intuition. Je sais exactement où est-ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'il y a? La porte, elle est ouverte. C'est vrai? La porte, elle est ouverte? Oh, let's go. Oui. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour remonter? Va falloir faire un jump ou je sais pas. Non, je vais faire une rampe. Ok. Et avec le câble, bah, du coup, on a activé un générateur, mais je sais pas lequel. Ok, d'accord. Bon, vas-y, enfin, fais la petite rampe, on va sortir. Et comme ça, on va aller trouver la porte qui est ouverte. Let's go. Ok. Bon, les mecs, j'ai hâte de trouver Mommy Long Legs pour me transformer en Mommy Long Legs. Ça va être une grosse dinguerie. Allez, let's go. Ok. Alors, donc là, il faut que je fasse le saut. Ah non, tu vas dupliquer. Non, oui, deux secondes. Hop, oula. Ah oui, bah oui, c'est rampe nulle. Bon. Faut sauter haut. Hein. Ah, il va falloir que je saute. Ok, vas-y, toi, monte-moi. Ah, mais t'es gotesque. Ah, ok, il faut sauter comme ça. Oula. Ok, c'est bon. Et là, du coup. Attends, si tu veux, je mets une rampe là. Ok, vas-y. Une petite rampe. C'est bon, ok, d'accord. Et Jacob, tu fais quoi? Jacob, viens avec nous. J'arrive, désolé. Tu fais les câbles. Ok, et tous les autres déjà, ils sont déjà à la porte. Mais sérieux ouais, ou quoi déjà en... Ok, bon, hop, on va y aller. Et là, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller contrôler Mommy Long Legs. Ok, c'est bon, je suis là, let's go. Ok, on continue. Mommy Long Legs, où est-ce que tu es? J'ai hâte de venir te contrôler. Je vais prendre d'ailleurs mon fruit directement. Voilà, pour pouvoir contrôler Mommy Long Legs. Ok, c'est bon, j'ai mon fruit. Oh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais je crois qu'ils ont ouvert avec la force, hein. Ils ont tout explosé. Oh, waouh, mais attendez, il y a de l'acide ici. Ah, ça me brûle les pieds, laissez-moi passer. Mais... Ah, c'est grâce au jeu. Oh, non. Bingo. Il nous a vomi de l'acide dessus. Bon, on se retrouve ici. Nous voici au même endroit. Regardez, il y a les restants de nos cadavres. Voilà, bon, du coup, il va falloir faire des rampes là parce que je suis pas sûr que je puisse faire le saut. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui veut tenter de faire le saut? Attends, je vais tenter. Non, ça sert à rien, tu vas mourir. Non, mais pourquoi est-ce que l'on... Ah, la Poisca est sauvée au dernier moment par Biomix. Ok, incroyable. Bon, allez, Biomix du coup va devoir faire une rampe. Non, mais arrête de sauter. Non, la Poisca. Oh, c'est toi l'imposteur. Oh, c'est clairement lui l'imposteur, hein. Il vient de faire tomber tout le monde à l'intérieur. Bon, allez, mais non. Jacob, fais-nous une rampe. Allez, fais-nous une rampe digne de ce nom. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, Jacob, let's go. Alors, Jacob va nous faire une rampe, normalement. Waouh, arrêtez de vomir de l'acide, là. Tout le monde vomit de l'acide, c'est pas possible. Ok, c'est bon, on fait la petite rampe. Oh, regardez, il est concentré. Oh, what? Oula. Attendez, je me suis raté, mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, vas-y, tu peux le faire, allez. Tu vas réussir à le faire. Connect mes chromosomes, vous inquiétez pas. Oh, voilà. Let's go, ok. Bonjour. C'est bon, on a réussi à traverser. Oh, y'a Poppy. Oh.
Oh les mecs, il y a Poppy littéralement. Ok, Poppy est juste là. Ok, ok, ok. Oh, c'est pas le trou, il y a Mommy Longlegs. Normalement Poppy va être chopé par le bras de Mommy Longlegs. Là j'ai pas l'impression, ça veut dire que Mommy Longlegs peut-être reste au bout. Est-ce qu'on saute? Non mais arrêtez. Il vaut mieux d'assister dans tous les sens, c'est pas possible. Venez, venez, regardez, c'est ici, normalement il y a Mommy Longlegs qui est en bas. Ok, j'ai très peur. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Vas-y, descends. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là? Ok, 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 je descends, je descends, je descends, je descends. Oh mon dieu! Oh, elle est juste là! Oh, elle est juste là! Oh, elle t'a buté? Oh, wow, 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 wow. Oh, elle bute tous ceux qui sortent du trou. Ok, je vais la contrôler. Ah, oh, c'est bon, c'est moi qui suis Mommy Longlegs. Let's go! Je suis Mommy Longlegs. Oh, incroyable. Oh, je peux rentrer à l'intérieur du tuyau. Oh, je peux monter à l'intérieur du tuyau. Oh, la dinguerie, je suis Mommy Longlegs. Oh, Pingu, regarde. T'as vu, c'est moi, Mommy Longlegs. Oh, c'est une dinguerie, les mecs. Oh, c'est une dinguerie, la team. Regardez, je suis vraiment Mommy Longlegs. Oh, ça va, ouais, salut, Diabolo. Ben, ça va. Est-ce que je peux passer par là? Oui, c'est bon, j'ai réussi à passer, mais c'est un petit peu serré. Ok, je suis mieux ici, d'accord. Bon, je contrôle littéralement Mommy Longlegs. Je vais remonter dans le tuyau bleu. Ok, oh, c'est intéressant. Oh, ça veut dire que je pense que dans très peu de temps, je vais pouvoir contrôler 4 nappes. Oh là là, c'est vraiment une dinguerie. Je vais redescendre. Ok. Regardez, c'est vraiment moi, Mommy Longlegs. Hein. Oh, c'est vraiment trop stylé. Oh là là, la dinguerie. Bon, allez, je vais me détransformer. Alors, je sois très vif par contre, parce que sinon, elle va vouloir me buter. Et ça va être assez effrayant. Ok, c'est bon. Ok. Oh, waouh, il y a une porte qui était ouverte. Attendez, mais comment est-ce que vous avez fait? Vous avez activé le courant? C'est grâce au générateur qu'on a activé. Ok, let's go. Attendez, il faut traverser parce que, attention, parce que Mommy Longlegs a pu nous attaquer. Faites attention, traversez. Venez, 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 venez. Venez, on a ouvert, on a ouvert, on a ouvert. Oh. Waouh, ok, d'accord, là c'est intéressant, d'accord, d'accord, d'accord. Et là du coup on va pouvoir ouvrir, oh waouh, on a ouvert. Bon, il va falloir réouvrir la porte là parce que du coup la porte est fermée. Ah oui, il suffit d'appuyer sur ce levier, ok, enfin d'activer ce levier. Oh, Diabolo. Oh waouh, il y a 4 nappes. Oh là 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 là, regardez, il y a 4 nappes. Il est juste ici, regardez, regardez-le. Il est gentil. Non, non, je sais pas s'il est gentil. Oh là 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 là, il y a 4 nappes. C'est-à-dire que je vais pouvoir contrôler 4 nappes. Attendez, mais. C'est bon, c'est moi 4 nappes. Oh la dinguerie, je suis 4 nappes. Oh là 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 là, regardez. Oh, waouh, Diabolo. Oh la dinguerie, je suis littéralement 4 nappes. Oh, c'est une dinguerie, regardez. Je suppose que je peux aussi courir et attaquer. Oh, waouh, c'est masterclass. Oh oui, regardez. Je peux courir en 4 nappes et je peux aussi, je pense, vous buter. Let's go. Ok. Tu vas pas nous tuer, Diabolo, quand même. Bah, je crois que je peux vous buter d'ailleurs. Je vais pouvoir aussi me transformer en Miss Delight, Nightmare Catnap et en Smiling Critters. Ok, donc là. Mais comment est-ce qu'il est mort, lui? D'accord. Et là, si je t'attaque. Tu l'as tué, tu l'as tué. Hein? Mais. Oh, waouh. Ok, d'accord. Ok. Mais vraiment, c'est trop stylé d'être catnap. C'est vraiment une dinguerie. Oh là, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus personne avec moi? Ah, oh, Mimic, ça va? Viens, viens, viens. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Attends, vas-y, je te suis. Ouais, viens. Attends, c'est... vas-y. C'est à propos de ça. Je te suis, genre en catnap ou pas? Je crois que tu rentres, non? Ouais, je peux passer. Ah, oh, attention, ok. Ok, c'est bon, je suis rentré, ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il y a Redur, je crois qu'il veut te parler. Vas-y, Redur, tu veux me parler? Tu veux faire quoi? Non, c'est pas Bumi, je crois qu'il te... Bumi nous enferme. Fais attention. Oh, voilà. Non. Bon, du coup, je vais les retrouver Miss Delight. Oh, regardez, je peux contrôler le Smelling Critter, ce catnap. Je peux contrôler Miss Delight. Je peux contrôler Huggy Wuggy Hallucination. Et je peux contrôler Nightmare Catnap. Vous voulez que je commence par qui? Je pense que, en vrai, le petit catnap, là, comme ça... Let's go. Ok, j'attaque qui? Je saute sur qui, là? Je pense la Poiscaille, regardez, il est juste ici. La Poiscaille, viens, hein? viens me voir. Let's go. Eh, hey, viens ici, regarde, Mimi, je vais t'assister dessus. Ah, de l'eau tuée, Diabolo. Bon, on va prendre du coup. Miss Delight, oui, t'inquiète pas, je vais arrêter de vous buter. Maintenant, je suis Miss Delight. Ok, ok, ok. Wow, Miss Delight, en vrai, si vous avez envie de me voir transformer en Miss Delight et de voir comment est-ce que j'attaque, bon, mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. On va passer directement à Huggy Wuggy Hallucination. Je deviens Huggy Wuggy Hallucination. Oh, oh, je peux me déplacer à l'intérieur de conduit. Oh, c'est trop stylé. Regarde. Oh là 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 là. Oh, regardez. Oh, il y a Pingu là-haut. Oh, let's go. Hop là. Un petit câlin de la mort. Deux câlins de la mort et ça fait deux morts. Ok. Oh, il est stylé. Hein. Oh, il est vraiment incroyable. Et je peux accélérer. Oh là là. Oh, c'est une dinguerie. Je suis Huggy Wuggy. Oh là là.
Gyuugi Hallucination. Et du coup, il reste Nightmare Catnap. Je vais devenir Nightmare Catnap. Let's go. Waouh, regardez comment est-ce que je me déplace. Oh, c'est masterclass. Oh, c'est masterclass. Regardez à quoi je ressemble. Oh là 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 là. Magnifique. Et si j'accélère, je suis d'une nonchalance incroyable. Et du coup, si je vais voir la poiscaille qui est en train de se faire vomir dessus de l'acide, what? Mais pourquoi est-ce que quand je l'attaque, je me transforme en catnap? Ça, c'est un peu bizarre. Mais écoutez, les mecs, je crois qu'on a fait le tour des transformations de Pop Playtime chapitre 3. Notamment catnap. C'était vraiment incroyable, catnap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le seul que je n'ai pas buté, je crois que c'est Pingu. Est-ce que je vais laisser un like? Il est là. Let's go. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Et je n'arriverai pas à tuer Pingu. Je sais pas pourquoi. Et il vomit sous de l'acide. Non, il a buté Nightmare Catnap. Bon, il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères.